Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un raid-on. Donc si ce raid-on vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en revoir plus. Merci et bon visionnage. Donc là vous pouvez voir les gens que c'est pas forcément bien parti comme raid. Mais vous en faites pas, je ne vais rien lâcher. Mais il a quand même bien essayé de m'avoir. Je m'en rendais pas forcément compte, mais en fait je posais sur deux sols différents. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a un petit problème à la fin de mes 10 satchels. Mais pour péter un sol en pierre, il faut bien 10 satchels. C'est juste que j'ai fait une petite boulette, on va dire. Je vais le rattraper par la suite.
Mon objectif, c'était d'aller rechercher des satchels pour continuer à péter parce que je me suis rendu compte de la bootlet que j'avais fait. Mais les satchels ne m'ont pas aidé à faire ce que je voulais faire. Et voilà maintenant les gars, vous avez vu comment j'ai réussi à le tuer. Je comprends pas pourquoi il a pas pris d'armes parce que vous allez voir leur coffre. Je comprends pas. Franchement, ça devait être des nouveaux joueurs, je ne sais pas, mais ils ont assez mal joué. Et voilà, je pense que vous avez pu très bien le voir que ce raid était tout de même très rentable par rapport aux armes et par rapport aux farms qui étaient plutôt intéressants. Vous avez pu voir que j'étais pas forcément très bien avantagé au début, mais j'ai quand même bien réussi à m'en remettre bien. Et puis voilà, je vous laisse avec le loot un peu. Thank you.